CB Maths et bienvenue pour un nouveau Let's Maths, Let's Maths numéro 3. Dans cette vidéo, nous allons faire des mathématiques. Nous allons résoudre un problème de calcul d'air et d'aménagement de jardin. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. La figure ci-dessous représente un jardin à la française. Les allées, en hachure, ont une largeur uniforme de 2 mètres. On sait que AB est égal à 54 mètres, et BC est égal à 36 mètres. Les côtés du rectangle EFGH sont partout à 8 mètres des côtés du rectangle ABCD. 1. Quelle est la surface des massifs? 2. On répand du sable valant 15 francs, le mètre cube sur les allées, et il faut 1 mètre cube de sable pour 20 mètres carrés d'allées. Quelle sera la dépense? Bien, avant de commencer à résoudre le problème, on va rajouter quelques points dans la figure pour faciliter la résolution du problème. Alors, on va noter ici le point I, le point J, le point K et le point L. Si bien que le rectangle le plus intérieur s'appelle IJKL. On va aussi noter ici le point N, le point N, le point O et le point E. On verra dans quelques instants pourquoi c'est utile de noter MLOP ce rectangle-là. Alors, on va d'abord mettre les dimensions de la figure. Donc on sait que AB égale à 54 mètres. On sait que BC est égal à 36 mètres. On sait que la largeur, des allées est égale à 2 mètres. Et EFGH est à 8 mètres du bord de ABCD. Alors, on va calculer donc EF. Donc ici on a 8 mètres, ici on a 8 mètres, donc il faut prendre la longueur AB et retirer les 2 fois 8 mètres, 2 fois la distance du bord du rectangle ABCD. Donc EF est égal à AB moins 2 fois 8, 2 fois 8, 16. Donc 54 moins 16, et 54 moins 16 est égal à 38 mètres. FG, même chose, on prend la longueur BC, et on retire 2 fois 8 mètres. 36 moins 16 égale à 20 mètres. Alors ici, ensuite, on va calculer IJ, donc les dimensions du rectangle intérieur. IJ, donc on prend la longueur EF et on retire 2 fois la largeur des allées, donc 2 fois 2 mètres. Donc 38 moins 2 fois, alors plutôt EF moins 2 fois 2 mètres, donc 38 moins 4, 34 mètres. JK. On prend donc FG, et on retire 2 fois la largeur des allées. FG moins 2 fois 2. Donc 20 moins 4 égale 16. Voilà donc pour les dimensions de IJ, JK. MNOP, alors c'est simple. MN, c'est la largeur des allées, donc
2 mètres. Et NO, c'est donc 8 mètres, donc c'est 8 mètres, d'accord, c'est la distance entre les deux bords des rectangles ABCD et EFGH. Alors je rappelle très brièvement que l'aire d'un rectangle, c'est si le rectangle a pour longueur grand L et pour largeur petit l, l'aire du rectangle est obtenue par le produit de la de L, grand L fois petit l. Alors, l'aire des massifs. L'aire des massifs, c'est tout ce qui est en blanc. En fait, je vais colorier ici, 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 ici. Donc, on voit que l'aire des massifs, donc c'est, bon, il faut calculer l'aire de IJKL plus donc l'aire des quatre massifs qui le bordent, qui l'entourent. Alors comment on peut obtenir ça? Alors on voit que on peut c'est l'aire de ABCD, l'aire de ABCD, moins l'aire de EFGH, moins l'aire des rectangles, donc des allées, qui traversent le massif. Donc c'est exactement l'aire de MNOP, et comme on a une symétrie, une symétrie centrale, le rectangle MNOP, ici, c'est la même que l'aire de ce rectangle-là, l'aire de ce rectangle-là, et l'aire de ce rectangle-là. Donc ce sera 4 fois, donc il faudra donc ajouter donc l'aire de ABCD, moins on retire l'aire de EFGH, plus 4 fois MNOP. Donc 4 fois l'aire de MNOP. Alors, calculons donc maintenant cette R là, dans cette formule. R de IJKL, donc IJ 34 mètres, JK 16 mètres, donc 34 fois 16, plus l'aire de ABCD 54 fois 36, moins l'aire de EFGH 38 fois 20, plus 4 fois l'aire de MNOP 2 fois 8. Donc on va calculer maintenant. On va calculer 34 fois 16, ça nous fait 544, plus 54 fois 36, 1944, moins 38 fois 20, 720, plus 4 fois 16, 4 fois 16, 64. Donc, 544 plus 1944 moins 720 plus 64, donc 784. Et au total, si on fait le calcul, on trouve 1704 mètres carrés. Donc, conclusion, on peut souligner donc, la règle nationale. Donc, l'air est massif et de 1704 mètres carrés. Donc on rappelle qu'en question numéro 1, nous avons trouvé que l'air de les massifs est égal à 1704 mètres carrés. Alors là, on nous demande, on dit qu'on va répandre du sable sur les allées. Le sable coûte tant en mètre cube, et il faut
1 mètre cube pour 20 mètres carrés de sable. Donc, on va devoir calculer l'aire des allées. L'aire des allées. Et avant cela, on va être amené à calculer l'aire totale du jardin. Donc, on va appeler Q R S T, donc le jardin. Donc, l'aire des allées, c'est l'aire totale moins l'aire des massifs. Alors, l'aire totale, ça va être l'aire de Q R S T. Alors, QR, c'est AB plus 2 fois la largeur des allées. Donc, AB 54 plus 4, donc 2 fois la largeur des allées, fois 36, donc BC, fois plus 2 fois la largeur des allées. 36 plus 4. On obtient donc 54 plus 4, 58 fois 40, 58 fois 40, donc c'est égal à 2240 mètres carrés. Donc on peut remplacer dans la formule, donc 2240 moins 1704. On effectue une petite soustraction et on obtient 536 mètres carrés. Et on n'oublie pas de souligner la réponse finale. On a vu que l'aire des allées est égale à 536 mètres carrés. Donc maintenant on va calculer le volume de sable nécessaire pour recouvrir les allées. Donc, volume de sable. Donc, on nous dit qu'il faut 1 mètre cube de sable pour 20 mètres carrés d'allées. Donc, on prend un volume de sable, c'est égal à l'aire des allées, divisé par 20. Donc, 536 divisé par 20. Ce qui nous donne 26,8 mètres cubes. Donc le volume de sable nécessaire pour recouvrir les allées est de 26,8 mètres cubes. Et ensuite, donc pour finir, donc le prix du sable. Prix du sable. Donc il nous faut donc 26,8 mètres cubes, mais on a dit que le mètre cube vaut 15 francs. Donc le prix du sable, c'est le volume de sable fois 15. Donc 26,8 fois 15. Et on trouve donc un total de 402 francs. Donc le prix, le sable va coûter 402 francs. Et pas de souvenir. Monsieur Boulogne, il n'y a pas eu de figure sur Jojebra. Je voudrais que vous me fassiez une figure sur Jojebra, qui représente le jardin de l'énoncé. Eh bien Virginie, c'est exactement ce que j'allais faire dans le bonus de cette émission. Donc, nous allons prendre une unité pour 10 mètres de terrain. L'unité GeoGebra étant le centimètre, et 10 mètres est égal à 1000 cm, l'échelle de la figure sera de 1 sur 1000. Bien alors, on va commencer donc par placer donc le point D de coordonnées 0, 0. Le point D sur la figure était en bas à gauche. Le point C... Donc CD est égal à AB est égal à 54 mètres, donc sur GeoGebra on va être 5,4. Ensuite
B, donc BC est égal à 3,6, donc BC aura pour coordonnées 5,4, 3,6. Et le point A aura pour coordonnées 0, 3,6. Voilà. Et alors pour mieux se repérer, j'ai mis la figure originelle en bas à droite de l'écran. Alors, EFGH, maintenant on va tracer EFGH. Donc, EFGH est à 8 mètres du bord de ABCD, donc à 0,8 unités GeoGebra, donc 0,8 cm du bord. Donc, pour tracer le point de coordonnée E, on va avancer ici, donc on va ajouter 0,8 à l'abscisse de A et retirer 0,8 à l'abscisse de A, à l'ordonnée de A. Donc, E, ça va être égal à 0,8, 3,6 moins 0,8, 2,8. Voilà, point E. Ensuite, F, pour F, on va retirer 0,8 à 5,4 et on va retirer 0,8 à 3,6. Donc, F, c'est égal à 4,6 plus donc 2,8. Voilà, le point F. Le point G, donc à C, on ajoute 0,8, donc à l'ordonnée de C, on rajoute 0,8. Et on retire à l'abscisse de C 0,8. Donc ici, on retire 0,8 à 5,4, donc 4,6. Et on ajoute 0,8 à l'abscisse, à l'ordonnée de C, donc 0,8. Et le point H, très simple, on ajoute à l'abscisse et l'ordonnée de V, 0,8. Voilà, et on a donc maintenant le rectangle EFGH. Bien, donc maintenant on va tracer le rectangle IJKL. Donc, on va commencer par le point L qui est le plus simple. L, donc la largeur des allées est égale à 2 mètres, donc 0,2. Donc à H, on ajoute 0,2, 0,2, donc 0,2 en abscisse et 0,2 en ordonnée. Donc L aura pour coordonnée un 1. M, ici, G. On retranche 0,2 à 4,6 et on ajoute 0,2 à 0,8. Donc 4,4 et 1. Voilà. Ensuite, F, EF, donc pas M, mais ici ce sera J, K, J, on retire à F, donc 0,2 et 0,2, donc à 4,6, il va être 4,4, et 2,8, 2,6, donc 4,4. 2,6. Et donc ce sera pas, ce sera J. Et I, donc on ajoute 0,2 en abscisse et on retire 0,2 en ordonnée. Donc E, 0,8, donc on retire, on ajoute 0,2 à l'abscisse. Donc 0,8 plus 0,2, et on retire 0,2 à 2,8, donc 2,6. Voilà. Donc maintenant on a notre rectangle IJKL, voilà, qu'on va mettre en vert foncé. Voilà. On va mettre un peu d'opacité. Très bien. Voilà. Alors maintenant, on va tracer le rectangle extérieur. Donc,
QRST. On sait que Q, donc la largeur des allées, c'est toujours 2 mètres. Donc Q sera A. Donc il faudra retirer 0,2 à l'abscisse de A et rajouter 0,2 à l'ordonnée de A. Donc moins 0,2 et 3,8. La Q. R. Donc rajouter 0,2 à l'abscisse et rajouter 0,2 à l'ordonnée. Donc 5,6 et 3,8. S. S a pour coordonnées donc ici, donc on va rajouter 0,2 à l'abscisse et retrancher 0,2 à l'ordonnée. Donc le point c'est 5,4, 5,6 moins 0,2. T, on retranche 0,2 à l'abscisse et on retranche 0,2 à l'ordonnée de D. Donc D c'était 0,0, donc moins 0,2, moins 0,2. Moins 0,2, moins 0,2 et moins 0,2. Voilà. Ici, on a bien. Donc, on aura le carré en QRST. On aura bien le carré qui entoure donc, le contour du jardin. Donc, dernière étape, et peut-être la plus difficile dans ce. Dans cette construction, on va devoir tracer donc les rectangles intérieurs, ici, ici, ici et ici. Alors, on sait que AB, c'est égal à 50 mètres. On sait que donc on a une symétrie ici. Donc si on fait par exemple, on trace cet axe là, on a une symétrie. On a une symétrie axiale. Donc, on va retirer à 54 mètres. Donc, 54 mètres, on va retirer 2. 54 mètres divisé par 2. Moins 2, ça fait 52 mètres. Et on va diviser par 2, car on a une symétrie. Donc, 52 divisé par 2, c'est égal à 26 mètres. 26 mètres. Donc, on va placer un point à 26 mètres de A, donc sur la figure, donc à 2,6 cm de A, B à 2,6 cm de A, et ensuite D à 2,6 cm de D ici et 2,6 cm ici. Donc on va le faire, donc A, donc un point, donc à A. On ajoute 2,6. Et ici, B, on retire 5,4. Donc 2,8. 3,6. Voilà. Ensuite, à C, donc on va. Ici, C, on retire 2,6. Donc 2,8, 0. Et. Ici, on rajoute 2,6, 0. Voilà. Ensuite, un point ici. Le point ici est à 8 mètres, donc à 0,8 du point M. Donc, à M, ici, on retire 0,8 en ordonnée. Donc, 3,6 moins 0,8. 2,8. Voilà. Très bien. À N, on peut retirer. Donc ici, à N, on retire aussi 0,8. Donc N, 2,8, 2,8. Voilà. Et on a ces points-là. Ces points-là. Et on ajoute 0,8, 0,8 ici et 0,8 ici, 2,6, 0,8 et 2,8, 0,8. Voilà, très bien. Donc on a une nouvelle série de points. Voilà.
Donc maintenant, on va tracer donc les rectangles ici et ici. Donc, texte. On sait que BC est égal à 36 mètres. Donc, comme tout à l'heure, on retire 2 mètres à 36 et on divise par 2, 17. 34 divisé par 2, 17 mètres. Donc, le point ici est à 17 mètres, donc à 1,7 cm du point B. Ici, le point est à 1,7 cm du point C. Ici, le point est à 1,7 du point D et 1,7 du point A ici. Donc A, 0, 3,6. Donc on va retirer 1,7 à 3,6. Donc 1,9. Et donc, pareil pour A, B. 1,4 et 1,9. Voilà. Le point C, 5,4 et 1,7. Et ici, 5,0, 1,7. Voilà. Il nous manque encore ces deux points-là et ces deux points-là. Donc A1. Donc, A1, il est à 8 mètres, donc à 0,8 mètres du point A1. Donc ce point-là est à 0,8 cm du point A1. Donc on ajoute 0,8 à l'abscisse du point A1. Voilà. Ici, on rajoute 0,8 à l'abscisse de D1. Voilà. Ici, D1, on retire 0,8 à l'abscisse de D1, donc 4,6, 1,9 et 4,6, 1,7. Voilà, donc on attend à tous les points pour tracer la figure. Donc maintenant, on va tracer, donc on va peut-être venir un peu. Voilà. A, M, alors, M, A, M, U, E, E1, A1, A, N, B, B1, V1, F, V, N, H1, C1, C, O, Z, G, H1, et ID1, F1, H, W, P, B et D1. Voilà, donc tous ces hexagones, on va les mettre donc, en vert, avec une opacité de 50. Et voilà donc la figure finale. On pourrait très bien ensuite retirer tous les points et retirer les segments, les étiquettes de segments. Et voilà, donc nous avons la figure, donc le jardin. Le jardin, donc tracé sur GeoGebra. Voilà, le problème a été entièrement résolu. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMath. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine!